Bienvenue pour cette nouvelle vidéo au Japon. Aujourd'hui, nous allons aller vers Meguro, la rivière, une rivière avec plein de cerisiers en fleurs. That's why, c'est pourquoi j'ai mis ma robe fleurie. Et aussi, on va aller au Ishrin, je sais pas comment on le prononce. À partir d'aujourd'hui et durant 2 jours, il y a le festival Sano Matsuri à Tokyo. Donc un festival où il y a des choses traditionnelles, où les gens vont être costumés, il va y avoir des chars, des machins. Et ça se passe là-bas, donc on va aller voir. Et alors soit aujourd'hui si on a le temps, parce que je me suis levée un peu plus tard, j'avais besoin de dormir. Il est 11h là, donc on va y aller. Donc soit aujourd'hui on ira également encore essayer de trouver nos places de concert, ou sinon demain, parce que de toute façon demain il fait pas beau. Donc on verra. Et aussi objectif, acheter de la crème solaire. Yes. Et des pansements. Bon, vous me servez de panse-bête, voilà. Allez, on y va. À tout de suite. Donc voilà, au niveau de ma tenue, ça donne ça. On a nos petits collants à paillettes et nos petites chaussettes avec des nœuds. Let's go. Ah, et j'ai oublié de vous montrer mon fabuleux sac à dos acheté par mes trop mignons collègues. Regardez comme il est beau. Il ira trop bien avec ma tenue. Oui. Voici ce qu'il reste actuellement sur les branches. On peut pas aller loin. Regardez les gars, la vraiment dernière branche. Ça devait être si beau quand il y en avait partout. J'avoue que je suis un peu deg. Mais bon. Petite dégustation de corn dog. Depuis le temps que je voulais tester, ça se présente donc comme ceci. Une pâte avec de la saucisse. On aime bien. On adore. C'est un peu sucré en plus la pâte. Bon, à toutes! Thank you.
Alors aujourd'hui, je suis clairement rentrée du coup plus tôt. Il est 18h. Waouh, exploit! Bah, de une, parce qu'il fait pas très beau. Et j'étais en manche courte comme ça parce que j'avais pas envie de mettre ma grosse veste et tout par-dessus. Je trouvais que c'était pas très joli. Et du coup, clairement, aujourd'hui en plus, il n'y a pas de soleil. Hein. Normalement, ils avaient dit qu'il y avait du soleil. Il y en a pas. Il y a que des nuages et tout. Du coup, bah, c'était pas très agréable au bout d'un moment. En plus, il menace de pleuvoir. Donc, il manquerait plus que je sois trempée de la tête aux pieds. Bon. On va éviter. J'ai mal aux pieds, hein, clairement. J'ai l'impression de marcher sur des aiguilles à chaque pas. Alors j'avais des ampoules, mais je crois que j'en ai encore plus maintenant. Parce que je pense que j'en ai d'autres à d'autres endroits maintenant. Génial. J'ai tous les pieds. Bon bref, c'est pas grave. Et ah oui, aussi, pour les places de concert, bah, du coup j'ai pas été voir aujourd'hui. Parce qu'en fait, bah, finalement, j'ai trouvé un petit spot qui était sympa. Bah, normalement, on devait faire la Sano Matsuri aussi. Bah en fait je sais pas où elle est parce que je l'ai pas trouvée. Bon, alors soit c'est pas la bonne date, soit je sais pas, il y a un petit emblème dans l'équation, faudra que je regarde ce soir. Mais du coup concernant les places de concert, j'irai demain parce que de toute façon demain et après-demain, donc samedi dimanche je crois. Bon, demain après-demain, il pleut. Génial. Du coup, bah, faut que je trouve des activités en intérieur. Shopping, il y avait un truc que je voulais réserver, enfin des petits trucs plutôt en intérieur. Peut-être que j'irai me poser un petit café. Enfin, on verra, mais en tout cas, ouais, ça va être plutôt ça. C'était assez sympa le petit endroit, le petit spot qu'on a vu là, avec les petites arches rouges. C'était très mignon. Voilà, bon, ça sert à rien que je m'éternise. En tout cas, moi, je vous dis bonne nuit, à demain, ou à tout de suite. Bisous! J'étais trop fan de ma petite tenue de princesse. Vraiment. Une petite princesse. Ah, j'ai discuté avec des gens et tout qui étaient d'autres nationalités. Il y avait un petit papy aussi trop mignon. Je vous montrerai la vidéo. Il était trop choupi aussi aujourd'hui. Japanese. Hanaikada. Hanaikada. Ah. Okay. I learned a word today. Thank you so much. It's yeah. So pleasant. Goodbye. Goodbye. Have a nice day. Thank you. Goodbye. Spring. Yes, okay. It's beautiful in spring. Arigato, arigato. Il était trop mignon le petit papy, il m'a parlé des fleurs de cerisier, il m'a appris plein de trucs dessus. Bon, on se comprenait pas trop, mais il était trop mimi. Bref, voilà, bisous. Bon, finalement, le festival, je crois qu'on peut oublier. Parce qu'en fait, c'est pas le bon lieu. Alors, je sais pas où j'ai vu que c'était à Tokyo, parce que c'est pas du tout à Tokyo en fait. C'est un festival qui a apparemment à Gifu. Gifu qui a plus de 5 heures de Tokyo. Donc clairement on va pas pouvoir y aller quoi. Enfin, c'est beaucoup trop loin. Mais c'est dommage parce que ça avait l'air splendide. Mais je sais pas où j'ai lu qu'il y avait ce festival. En fait on va faire aucun festival quoi en fait. Bon, bonne nuit. Je crois qu'il pleut. No. Hello les gars! Comme je disais ce matin, aujourd'hui il pleut. J'ai vachement traîné ce matin, j'ai fait beaucoup plus cool que les autres jours. Je me suis levée pourtant à 6h, hein, mais il est presque 11h et j'ai toujours pas bougé. De toute façon il pleut donc j'avais pas envie, etc. Et puis j'ai refait mon planning parce que en fonction de la météo, il y a des choses qui du coup vont pas, il y a des choses que j'avais déjà faites. Enfin bon, du coup j'ai refait un petit peu mon petit programme aussi pour les jours qui suivent. Et là du coup notre objectif numéro 1. Qui reste toujours le même, avoir nos places de concert. Bon, je pense qu'on les aura pas, mais c'est au moins pour aller devant la salle, demander s'il y a des places. Bon, je pense que ce sera non, mais au moins voir si, est-ce que le jour J, ils en vendent ou non. Et de toute façon, le jour J, c'est dans 3 jours, je crois. Donc bon, on est plus à ça près, hein. Donc je vais aller redemander, et puis en plus à côté, il y a un grand centre commercial, donc je voulais aller faire un petit tour, un petit peu voir les boutiques, de toute façon il fait pas très beau, donc voilà. Et peut-être aussi, j'aimerais bien aller voir le Hermès au Japon, au niveau des vitrines, je sais pas si je pourrais rentrer dedans, c'était pas précisé s'il fallait un rendez-vous ou pas, mais au moins, aller voir. Bah, faut que je cherche s'il y a pas un parapluie derrière. Et voilà, petite journée pluvieuse, shopping, et je vous emmène avec moi. Let's go. On va se dépêcher, hein. On va se dépêcher.
Je suis enfin rentrée. Mon dieu, mes pieds sont en compote. Ah, il a plu sur mon sac et tout. Il pleut vraiment fort hein, depuis ce matin. Là, c'est une bonne grosse pluie. Hein. On adore. Oh là là, ma tête, mon dieu. En plus, je ressemble à rien. Je me lave les cheveux d'ailleurs. Parce que petit souci, maintenant j'ai des espèces de mèches rouges. Faut que je les lave séparément, mais je sais pas comment je vais faire ça. Ça va être un bordel encore. Ça va finir que je vais tout laver ensemble. Bon bref, c'est pas le sujet. Update. Comme chaque jour depuis plusieurs mois, bien sûr, je n'ai pas réussi à avoir mes places de concert. Parce que ce que je ne savais pas, c'est que... Enfin, j'avais oublié déjà qu'on était samedi. Déjà, donc forcément, il y a plus de monde que les autres jours. Il y avait beaucoup de monde dans les rues. Et beaucoup de monde à Saitama, devant la salle de concert. Parce qu'il y avait un autre concert, le concert de Aespa. J'ai presque envie d'aller le voir, mais bon, on n'a pas le temps. À un moment donné, il faut qu'on choisisse nos priorités. Bref, du coup, je suis tombée en plein milieu de toute cette populace, de ce peuple qui était réuni pour voir Aespa. Les guichets étaient uniquement là pour la billetterie de Aespa et non pas pour la billetterie de TXT. De toute façon, je le sentais pas. Hein. Depuis le début, y a un problème avec ce truc. Donc voilà, donc bon, on va arrêter d'aller devant la salle de concert tous les matins et on ira le jour J. J'aimerais bien y être une heure avant que ça ouvre pour être sûre d'avoir des places. Je sais pas à quel moment ils en vendent ou quoi, donc ça me tend. Donc j'aimerais bien y être à 7h du matin, c'est le 18, donc le 18 à 7h. S'il vous plaît, croisez tous les doigts pour moi, là c'est plus possible, là je suis désespérée. Regardez dans quel état je suis, regardez cette tête là, je peux plus, j'y vais tous les jours. Il faut qu'on aille les voir là, c'est trop, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mission place de concert échec, encore une fois. Non, désespère pas. Sur ce, c'était une bonne journée encore. J'ai pas très bien dormi. Ah, j'ai oublié d'acheter de la crème pour le corps. Bon, pardon. J'ai acheté de la crème solaire quand même. C'est bien, un parapluie. C'est bien. Et des pansements. C'est bien. Bon bref, je vous retrouve demain. Je vous expliquerai demain ce qu'on fera. Je sais plus à force. Allez, je vous fais des bisous et à plus tard. Mouah. Ah et avant de partir, regardez ce que j'ai acheté tout à l'heure. C'est trop mignon. Bon, c'est pas que pour le packaging, mais en partie. Regardez ce truc. Ça, je crois que j'en avais déjà acheté sur un site genre Asiat. Et c'était hyper bon. Genre des popcorn, enfin, comme des curly un peu, mais au caramel. Ça c'est un melon pan, oh mon dieu c'est trop bon, j'espère que ce sera filé comme dans mes souvenirs, mais c'était trop bon, une espèce de brioche. Ça, bah, on les a achetés la dernière fois, mais c'était trop bon donc j'en ai racheté. Ça, bon clairement c'est uniquement pour le packaging et je voulais acheter des bonbons japonais. Mais regardez-moi ce packaging.
Regardez comme il est beau. Petit Kirby. J'ai même pas envie de le déballer tellement il est beau. Bon bref, des cacahuètes parce que Léa passe son cacahuète. Et ça, j'avais pas compris que c'était de l'alcool. Bon, c'est écrit en plein milieu, hein. Alcool. Mais c'était juste pour la canette parce que je la trouvais trop belle et que je veux la garder. Mais du coup, voilà. Cette fois-ci, j'y vais vraiment. Bye!